Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Donc apparemment on est full munitions, ce qui est assez intéressant, cool. Salut les filles, tout va bien? On va se rendre ici pour commencer, chers amis. On va se rendre ici pour aller chercher... tout ce qui est points de compétence pour pouvoir continuer à améliorer notre personnage. On va donc prendre cet hélicoptère. En espérant que nos copains vont suivre, voilà. On va aller récupérer tout ça. On va essayer même de faire un assaut à l'hélicoptère, histoire de voir ce que ça va donner. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va quand même rester à une hauteur assez basse. Allez les mecs. On va essayer de se poser. Ici. Ok. Maintenant qu'on les a engagés, on va continuer à progresser vers nos ennemis. Je peux normalement enfoncer cette porte. Boum. Il n'y avait personne dedans. Je récupère tout ça. Ils vont nous tomber dessus dans pas longtemps. On fait quoi? C'est un tableau de cas rebelle. Intéressant. Ça me permet de gagner du temps. Ok, il m'avait pas vu. Il m'avait juste pas vu du tout. Reste de ce côté. Ok, bon bah cool, vous voyez donc, on a finalement entamé l'assaut à l'hélico. On a gagné beaucoup de temps. C'était certes pas un coup de ghost, mais bon. Ok, donc ça c'est bon, de ce côté-là on a 2 points. On pourrait prendre un parachute, ça fait longtemps qu'on le dit qu'on devrait le prendre. Ou la reco des jumelles, la vision thermique pourrait peut-être être intéressante. Pas pour l'instant, je pense. La vision thermique du drone, elle est là. Elle est juste là. Ça va être très intéressant plus tard. Ah, j'hésite. Jésuite. D'accord, demander plusieurs frappes. C'est déterminant, d'accord. D'accord, ok, je peux améliorer tout ça. Ok, pourquoi pas, c'est pas ce qui est important pour l'instant. Le parachute, peut-être. Ou la portée. Tout bêtement, la portée, peut-être. Je ne sais pas du tout. Lance-grenade. Lance-grenade en option certaines armes. À équiper dans le gunsmith. D'accord. Capacité en munitions, destruction de véhicules. Ça peut être intéressant. Je vais mettre destruction de véhicules parce qu'on a actuellement des missions secondaires qui permettent de gagner plein de carburant, par exemple. Tout en étant extrêmement intéressant. Enfin, voilà. Tout en étant assez compliqué parce qu'on n'a pas l'armement nécessaire à la destruction de ces véhicules. Donc voilà. Maintenant, notre objectif, ça sera de rejoindre ce point-là. D'ailleurs, au passage, si on peut donner un petit coup de... il est en hauteur. Oh, c'est pas genre le gros camp que j'avais déjà vu une fois et qui était extrêmement dur. Vérification. Ça y ressemble visuellement. Il me semble que j'étais venu genre de là. Non, c'est l'espèce... Oui, non, c'est bon, je sais c'est lequel. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait, chers amis. Vous pouvez vous dépêcher, s'il vous plaît, les mecs. Allez! Allez! C'est bon. Il était temps que vous vouliez monter. Hein. Crac. Je sais plus ou moins c'est quel campement. On peut voir que j'ai l'impression que plus je fais des missions ici, plus la présence de nos alliés semble être importante. Je sais pas si c'est véritablement le cas, mais on voit plein de verts maintenant. Soyez honnête, hein, si je me pose là, et que je suis pas repéré, c'est qu'il y a un problème.
crac. Allons-y. Allons-y. J'espère bien. Oula. C'est pas de drôle de choses. Ok, allons-y. Testons notre drone. Les mémoires, cet endroit était assez compliqué à faire. Il y avait eu du repop bizarre aussi. Oh, moi, il y a un sniper voilà qui est ici. Là-bas, il y en a un. 6. Je sais pas ce que c'est que ça. Si je peux choper le sniper pour commencer, ça serait rigolo. Il est à 224 mètres, ça fait loin. Je l'ai eu. Son copain apparemment a eu peur. Cible marquée, paré à l'attaque. Ok. Là, on les a énervés. Ils nous ont pas vus encore. Ta tête, vas-y, je t'attends. Putain. Oh la vache. Faut pas exagérer non plus, hein. Ah, oh, je suis mauvais. Ok. Progression. On va attendre. Même si je sais pas où est notre ennemi. En tout cas, maintenant, où qu'il soit, il est mort. Vous sortez d'où, vous les mecs, vous repopez ou quoi? Ok. Non. Ah, ils sont sortis de leur planque. T'es sérieux là quand tu dis que tu me tires dessus de cette distance? Parce que bon, il y a le caillou quand même entre nous. Hein. Entre nous, c'est la dèche. Je vais crever tout seul. Ok, on va attendre un petit peu ici. Putain. Non? Non. Allez, on progresse. On progresse dans ce bordel. Je vois une caisse d'armement par ici. Crac. Ça ira bien avec mes bottes, mais qu'il est con. Oh la vache. Mauvaise idée.
Il en reste un. Putain. Oh, joli. Joli sa planquille. Joli sa planquille. Alors, je suis désolé, j'ai à moitié mal audio ce matin. RA est de ce côté, c'est parfait. Ok. Du coup, on a libéré toute la zone, c'est ça que t'es en train de me dire? Parce que si c'est le cas, ça m'intéresse vraiment. Même si je ne sais pas encore une fois ce que ça va m'apporter. Ici, ouvrir. Alors, soit c'est une mission qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas faite. Ce qui est possible. Parce qu'il n'y a pas plus de contenu en fait ici que dans la bêta, à l'heure actuelle. Ça ressemble clairement à une mission, genre vous allez rentrer là-dedans et finalement il va se passer un truc. Donc, ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Ok, bon, finalement on l'aura fait. Ce qui nous fait donc pour ici. Ok. Ce qui nous fait donc pour ici, plus que... Alors il y a deux médailles bonus à obtenir, qu'on n'a pas obtenu. Des points de compétence, il nous en reste 3 dans la zone. Alors lui, il veut plus qu'on vienne l'interviewer, littéralement. Hein. Aperçu du cartel, c'est quoi? D'accord, ok. On a une caisse d'armement ici à aller choper. Est-ce qu'on a un hélicoptère dans le coin? Pas trop trop loin. Ici. Ici, on pourrait aller choper un hélico. C'est par là, non, c'est ça? Ah non, c'est un peu plus sur la droite. Ce que je peux peut-être aller faire, c'est choper l'hélico en bagnole. Crac. Et ensuite repartir. Oh, à moins que si l'hélico repop à la maison, je crois pas. On va aller chercher l'hélico en bagnole. Et une fois qu'on l'a, on part chercher la dernière arme qu'on peut trouver. Je crois que c'est la dernière arme qu'on peut trouver là-dedans. Quel armement, c'est la dernière arme qu'on peut trouver là-dedans. Et ensuite, je me ferais bien peut-être une mission justement d'attaque de convoi avec la mitrailleuse lourde. Ça peut me sembler faisable, j'imagine. Désolé le cochon. Hola señorita, muy bonita. Hey, je te respecte énormément. Demi-tour. Ah, c'est vrai, c'est A, le frein à main. Dommage. Eh ouais, moi je fais du hors-piste, mais avec une camionnette. Enfin, ce qu'ils appellent une camionnette dans le jeu, quoi. Ah là, si les partenaires de Peugeot ressemblaient à ça... Vous allez me dire, ouais, non, vas-y, partenaire de Peugeot, c'est un fourgon. Ouf, non, c'est pas vraiment un fourgon non plus. Hein. Honnêtement. Tête net, casse-toi. Wow, c'est ici. Oh, il y a un trou. Non, on va se casser là, nous, c'est bon. Hein. Ah, mais oui, c'est juste là où on a attaqué, genre 2 minutes avant. 10 minutes avant. On va récupérer notre hélico. Ça va être 1000 fois plus simple. Ah, bah, y'a personne. Ah, puis c'est en plus, c'est notre hélico qu'on vient récupérer. Celui qui est à moitié mort. Intéressant. Voyons voir. Désolé pour le sacrilège sur la tombe. Je conduirai plus jamais, hein. Vous m'en voulez encore pour la dernière fois? Mais oui, on t'en veut. Mais le problème, c'est que je sais pas si je peux les faire piloter ou pas. Tout bêtement. Alors, nous, on va ici. Je sais pas ce qu'il y a sur place. Ça doit être intéressant parce que c'est à 2,7 km, dans une zone où on n'est pas encore allé. Quand même un superbe jeu. Hein. Il est juste magnifique. Crac. Donc différents hélicos. Oh, il y a un château là-bas. What the fuck? Ce serait là qu'il était quand on l'a vu dans la pub, enfin dans la pub, dans la bande-annonce du début. Oula. Oulala. C'est quoi cet endroit? J'ai pas déjà tenté une attaque là-dessus, moi? On va peut-être pouvoir griller du monde, en fait, là-dessus. Regardez. Je peux me poser là.
pilotage de précision, chers amis. Ah, j'ai dit de précision. Bon. Ok. Alors le truc c'est que tu tombes pas. Dommage, tu es tombé. Je vois un arco du cartel, du côté de l'hélico. Ok. Ah bah y a un hélico alors. Bonne nouvelle. Ok. On est dans la place. Drone actif. J'en vois un autre. Je vois une troisième. Ça fait ça. Ça fait du monde, hein. Il y a un sniper là aussi. Oh, si je peux prendre ce véhicule, honnêtement, c'est la fête. Hein. Et apparemment, je peux, hein. J'ai trouvé une caisse d'armement. Déjà, la caisse d'armement. Génial. On l'a. Ça va être utile, ça. Ensuite, le snipe. J'en ai eu un. Crac. Merde, je suis mauvais. Je plombe ces fils de pute. Bon. Leur officier fout le camp. Leur officier fout le camp. C'est que des rebelles, hein. C'est pas l'unidad. Faut pas grimper là-dessus. Voilà. Oh putain, ça va être un combat de snipe. On dit que je me faisais tirer dessus par derrière. Touché! Allez! Allez, 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 allez! Peu de combat à la dure, merde. Par contre, il est un peu près des civils. Ok, on l'a eu. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui s'est enfui. C'est dommage. Bon, faisons-nous plaisir. Oh là 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 là, foreuse, ils appellent ça une foreuse. D'accord. Vous pouvez quand même pas grimper. Pas tous. Oh la gueule. Je suis surpris. Je l'admets, je suis surpris. Alors faut pas utiliser les trucs. Mais putain. Alors là, la Farming Simulator, ça me plaît d'un seul coup là. Alors question, si je fais du 1v1 avec une bagnole, j'emporte la bagnole. Normal. Ok, c'est intéressant, ça me plaît. Ça me fait zizir. Donc là, on a un vol d'hélico. Ici, on a une livraison secondaire. Livraison de véhicules rebelles. Demander un SUV. Ah, c'est pour demander un truc. Faire sauter l'une des entrées de la station. Ouh. Ouh, on en est où dans l'épisode? 20 minutes. Ouh, ça me plaît. Il y a loin, par contre. On va se téléporter là. On va lâcher notre véhicule, malheureusement.
Mais ouais, là, ça me plaît ça. Demander un SUV, ça peut être cool. Oh, on n'a rien d'ailleurs en plus. On va y aller en bécane. On va prendre une bécane, on va y aller en. Oh, ça fait loin, même en cul-de-jatte, hein. Ça fait super loin. Sophie, je passe par là. Pourquoi tu me fais pas passer par là, jeu? C'est une rivière ou c'est quoi? Ah, c'est une rivière. En plus, c'est là qu'il faut que j'aille. J'ai dit que j'allais là. Je vais prendre une bécane. Je vais prendre une bécane. On est parti. Arrête de me vouvoyer, ça me fait mal. Ok, passe. Donc maintenant que je suis sur cette route-là. Bah voilà! C'est par là qu'il faut que tu me dises de passer. Aïe, pardon, excuse-toi. Par là, ça roule. Par là, ça va même aller très très vite. Bon, ça va même aussi être très très moche à regarder. On peut voir que la bécane, elle change complètement de façon de faire. Quand le terrain est mouillé. Mais alors complètement. C'est vraiment génial. 300 mètres. On va y être. Oh, tu peux pas me dire qu'il y a personne ici. Il peut pas y avoir personne. Voilà. Oula. Effectivement, c'est plus important que ce que je pensais. Faire sauter. D'accord. C'est quand même pas. Ils sont quand même pas tous à l'intérieur. Bon, on va tenter autre chose. Ah putain! Je peux pas avoir la moindre idée de qui est. Ah bon? T'as vu quelque chose, toi? Moi, je vois rien, hein. Clairement, je crois que l'objectif, c'est de rentrer dans le bâtiment et de se démerder ensuite, hein. Allez. Braque lancée, attention les yeux. Ils sont en alerte. Ok. Ok, on est dedans. C'était pas la bonne apparemment. Putain, je l'ai pas vu il y a 2 secondes lui. Je l'ai pas vu il y a 2 secondes lui. What? Je l'ai pas vu du tout, hein. Et je crois que j'aurais dû enlever la nocturne en pleine nuit. C'est con. Est-ce que ça veut juste dire que j'ai pas pris la bonne porte? C'est bon, on est tranquille. Wouh! Ça s'est joué à rien du tout, j'ai l'impression. Maintenant que la station est fermée, les rebelles vont peut-être pouvoir redresser la barre. Je peux enfin donc faire une livraison de véhicules, ça c'est cool. Donc, on va regarder un truc quand même. Équipement nouveau. Ah oui, j'ai une nouvelle arme. Exact, exact. Dans les compétences. J'imagine que l'évolution, voilà. Demander à un véhicule blindé de mobiliser un hélicoptère. Un hélicoptère? Mais je veux! Ça va tellement être la fête! Ok, bon. Où est le château? Le château doit être un peu plus loin. Ici, on a une mission, apparemment. La voiture d'El Polito. Mission principale. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Nous en sommes où? Nous sommes à 25 minutes d'épisode. Pour que nos techniciens extraient les données du GPS. Ah.
Ok. On y va. On y va, on y va. Nous sommes à 24 minutes d'épisode. Nous, on va se laisser là, chers amis, pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Vous savez ce qui vous attend dans le prochain épisode au moins. Salut !